Yo, hey yo, hey yo, salutations, salutations à vos familles, en espérant que vous vous portez bien. Et ben écoutez, moi ça va à merveille, hein. Et ben je me suis résolu de faire un petit live, question de rassurer tout le monde que je n'ai pas déserté YouTube, je n'ai pas déserté YouTube. J'ai nécessairement connu un léger problème, un léger souci, raison pour laquelle je me suis dit pourquoi ne pas relancer ces genres de live qu'on avait l'habitude également, on va dire, hein, de faire sur Instagram et par la suite de le reperquitter simplement sur YouTube. Salutations, mon Kuna Raissa, salutations à toi, sois la bienvenue, soit le bienvenu, hein, c'est pas trop. Mais sinon, je suis très content, hein, que tu sois là. Hein, présent ou présente, je suis très très content. Et ben, je poursuis ce que je disais. Je me suis résolu, hein, de réaliser de live certainement, hein, sur Instagram pour le reperquitter tout de suite après sur YouTube bien évidemment. Et ben, ce qui m'a motivé est que ça me manquait un tout petit peu. Hein, ça me manquait un tout petit peu le fait de vous revenir à chaque fois, de vous parler de problèmes de la Russie, de problèmes qui vous tient réellement à cœur. Raison pour laquelle je m'étais résolu de débiter maintenant sur Instagram pour reperquitter par la suite sur YouTube. Salutations, salutations à tous ceux-là qui viennent à peine d'arriver. Et ben, Brice, salutations à toi. Brit, salutations à toi, en espérant que vous vous portez bien. Et ben, tous ceux-là qui se posent déjà de questions d'emblée, hein, sur la réouverture des frontières, sachez que ce n'est pas encore effectif, hein. Cette décision n'a pas encore été prise jusqu'à maintenant. Il n'y a que certains pays, hein, jusque-là, certains pays qui ont été autorisés. Ceux-là qui me suivent depuis un certain temps sur YouTube savent déjà de quel pays dont je parle. Je ne vais pas non plus, hein, énumérer quelques pays parce que la liste est maintenant assez exhaustive. Mais ces pays, tous, hein, tous font partie réellement, on va dire, hein, soit d'Asie, soit d'Europe et tout. Alors, il n'y a pas de pays d'Afrique, hein, si ce n'est que deux ou trois pays, hein, notamment l'Égypte, j'ai envie de dire la Tanzanie, et puis c'est tout, hein, il n'y a que ce pays-là. Donc voilà, Moïse, salutations à toi, sois le bienvenu sur le live. Anastasia, privet, Kakutibia, Dirla. Hey, family, eh ben, si vous avez des questions en rapport avec ça, n'hésitez surtout pas, hein, à me le poser. Et ben, la raison, je me répète encore une fois, la raison qui m'a poussé, on va dire, hein, à réaliser ces lives, c'est notamment le fait pour moi d'avoir réussi énormément de messages. Je ne pouvais pas accéder, on va dire, hein, à mon compte YouTube il y a cela une semaine. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant là, je tente de résoudre le problème en fait. Je tente réellement de résoudre le problème. Et de toutes les façons, dans pas longtemps, je récupérerai ma chaîne YouTube et nous pourrons nécessairement relancer le live comme à l'accoutumée. Voilà quoi. Donc c'est d'abord ça le message le plus important que j'ai bien voulu balancer ce soir. Donc voilà. Eh ben Moïse, merci Evie, je suis arrivé en retard. Ok Moïse, eh ben écoute, tu n'as rien raté d'aussi spécial que ça. J'ai parlé notamment de la réouverture des frontières, hein, qui doit impérativement intervenir certainement à la fin du mois d'avril. D'avril. Pas de mars parce que c'est déjà fini. Peut-être bien fin mois d'avril, début mai, soit mi-mai, j'ai envie de dire. Jusqu'à maintenant, je reçois de nouvelles, hein, des différentes universités, comme quoi il y a un pourparler, hein, pour essayer de dégager un tout petit peu, on va dire, hein, le passage et de frayer une petite brèche, hein, pour les étudiants afin de pouvoir venir étudier tranquillement, hein, on va dire, hein, et tous ceux-là qui sont bloqués, puisqu'il y a eu certains, quand ils ont réouvert le frontière, tous ceux-là qui étaient ici, là, qui avaient de problèmes avec leur passeport, avec visa et tout, donc qui devaient notamment, on va dire, reconduire le passeport et puis avoir un nouveau visa, sont ceux-là qui sont retournés, on va dire, en Afrique. Mais ils n'ont pas l'autorisation de revenir, on va dire, en Russie. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le même lot que le nouveau étudiant. On va dire tous ceux-là qui veulent impérativement venir ici, là.
pour étudier. Donc voilà quoi. Pour tout le pays, bien sûr, quasi tout le pays d'Afrique, hein, quasi tout le pays d'Afrique, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Donc voilà quoi. Eh ben, s'il vous plaît, envoyez-moi mes j'aime, mes cœurs, mettez-moi mes cœurs, s'il vous plaît. J'en ai réellement besoin. Mes cœurs. Je suis non loin du Kremlin, donc j'aurais aimé vous faire une petite visite très rapide, mais c'est un peu genre, et je me sers un tout petit peu, on va dire, hein, de cet éclairage du stade, hein, qui est juste à l'arrière. S'il vous plaît, mes cœurs, quand je vois de cœurs survolter, ça me rassure que je suis bien suivi. Donc voilà, vous avez des questions, faites comme Moïse, hein, posez-le-moi. J'aurais bien aimé, on va dire, hein, récupérer la communauté qui est sur YouTube. Qu'elle fasse le voyage, j'ai envie de dire, hein, sur Instagram, mais jusque-là, bon, c'est pas mal déjà, hein, de vous avoir trois personnes jusque-là, il n'y a pas de souci. Est-ce que Bourse 2021 seront encore opérationnelles? Eh ben, je ne pense pas. 2019, hein, je ne pense pas. À moins que tu aies la possibilité de retenter, on va dire, hein, de repostuler pour une nouvelle bourse. Mais sinon, conserver la même bourse, ce sera un peu compliqué. Ce sera vraiment compliqué. Donc, je suis désolé pour ça. Je suis désolé. Arnaud, salutations frère, comment vas-tu? Est-ce tout va bien? Eh ben désolé, hein, sur ces lives, je ne prends encore personne, je ne prends encore personne. J'aimerais assez que vous soyez toujours connectés, on va dire, hein, si vous aurez le temps pourquoi? Parce que je relancerai un nouveau live, hein, un nouveau live d'hiver, j'ai envie de dire, hein, dans 30 minutes. Donc voilà quoi. J'ai bien voulu passer ces messages assez rapidement pour pouvoir assurer un bon nombre, on va dire, hein, de personnes qui ne cessent de me poser de questions concernant la réouverture de frontières. Donc voilà, je pense que c'est fait. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas, hein, faites comme Moïse, hein, posez-le-moi, tout bien par la grâce. Et eh ben, je suis très content de l'apprendre. Arnold soit toujours là. Et eh ben, ça doit faire pratiquement un moment, hein, qu'on n'a pas dû se quitter en live comme ça là. Mais t'inquiète, certainement dans 30 minutes, je relancerai un live d'hiver, carrément d'hiver, où je parlerai certainement, on va dire, hein, je balancerai de sons, du divers, je parlerai du divers, je balancerai des sons, je parlerai de la vie d'ici, de tout ce qui se trame ici. Mais jusque là, c'est un peu focus, on va dire, hein, sur ce qui est la réouverture de frontières. Eh ben, écoutez, Family, j'ai réussi simplement à avoir la possibilité, bien évidemment, de faire un live et puis de reposter ça sur YouTube. Mais je n'ai pas encore la possibilité de faire un live de l'autre côté. Raison pour laquelle ce live-ci là, il est un tout petit peu différent et important à la fois, parce que je veux impérativement, hein, que tout le monde soit clarifié, et puis ce sera OK. Donc voilà. Mamadou, salutations Mamadou. Il n'y a que deux personnes. Comment pour obtenir la bourse? Il faut recommencer. Bien sûr. Pour obtenir la bourse à nouveau, il faudra repostuler. Hein, il faudra repostuler une fois, hein, auprès de l'ambassade. Hein. Je pense que si tu as eu la bourse, on va dire, hein, tu as pu obtenir la bourse en 2019, tu sais comment ça se passe. Hein. Tu sais comment ça se passe. Alors, je te conseille de faire de même. Et puis, ce sera bon. Vois-tu? Et puis, ce sera OK. Eh ben, family, vous qui vous posez des questions concernant la date de la réouverture de frontières, sachez que ce n'est pas encore sûr. Hein. Jusqu'à maintenant, ce n'est pas encore sûr. Donc, gardez votre mal en patience, comme j'ai l'habitude de les dire. Hein. Une fois j'aurai de nouvelles concernant cela, eh ben, je reviendrai à vous sans problème, sans problème. Je pourrai vous le garantir carrément. Donc, voilà. Eh ben, sur cette note, on va devoir peut-être nous quitter là. Et puis je vais relancer le live d'hiver où je pourrai, voilà, me désambiancer sur n'importe quel son, le temps de voir venir. Donc voilà quoi. Eh ben, j'ai été ravi, content à la fois d'avoir passé, on va dire, hein, ces laps de temps avec vous, hein, pour vous rassurer en ce qui concerne la réouverture des frontières. Une fois il y aura du nouveau sur ces sujets-là, je reviendrai vers vous, hein, pour vous informer comme à l'accoutumée. Donc voilà, portez-vous bien.
ben, moi c'est vivement été, juste au cas où. On se revoit très prochainement. Allez, prenez soin de vous. Ciao!